président public là, Jovenel Moïse, décrété zéro tolérance contre contrebande dans le pays a, et puis lancé un appel tête ensemble dans le temps tout petit pays a. Chef l'État fait déclaration sa yo dans l'occasion célébration fête agriculture et travail mardi 1er mai. Ministère Santé publique et population dans tête collée avec secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés clôturé lundi 30 avril 2018 la première phase campagne sensibilisation sur autisme. Et puis à l'étranger dans le pays États-Unis pour qui reste spécial cap mené enquête sur influence pays ici dans dernière élection américaine yo voyons liste question by président américain Donald Trump. Pour qui réa a cherché tout si Donald Trump t'a fait entrave avec la justice dans le cadre enquête ça. Dans page sport éliminatoire Coupe du monde féminin, sorti 9 pour arriver 13 mai 2018 cap vini là, Haïti a recevoir dans stade Silvio Cador, premier tour éliminatoire compétition ça. Bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est mercredi 2 mai 2018. Bienvenue dans le journal Mi-temps Jeunet sur Télévision Nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là? C'est le moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques Jeunet. Bonsoir Wilner. Mercredi 2 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là, temps vraiment instable sous pays là, sous région aussi en Alouette, qui ça qui cause ça? Nous avons un front qui trouve li sous partie orientale Cuba. Front ça supposé arriver sur nous au cours de semaine et même pendant week-end là. Et aussi nous avons un creux de basse couche qui trouve li dans canal de la Mona et situation ça a provoqué un masse d'air humide et instable sous pays là. Et j'en garde là nous TPW li très humide, des côté li 20 degrés et jeudi encore on va attendre avec quelques activité la pluie sous majorité département pays a et région sud là toujours concerné par activité la pluie. Là nous dit région sud n'a parlé de département Grand'Anse sud Nip sud-est et aussi département l'ouest centre avec Artibonite aussi a concerné par activité la pluie et la pluie ça capable modérer à forte accompagné avec l'orage pour jeudi à en fin d'après-midi en soirée au cours de nuit là. Situation instabilité ça a persisté aussi demain vendredi et samedi et gagne forte possibilité pour intensité la pluie augmenter dès demain sous majorité département mais vendredi possibilité encore plus forte sous tout pays à Jean-Noël sous image de précipitation, c'est-à-dire au cours de journée supposé gain en pile la pluie sous pays à et la pluie ça va persister jusqu'à samedi et samedi c'est région sud la Jean-Noël qui est concerné par averse la pluie ça et qui a vraiment modéré à forte sous région que nous sommes cité là par rapport avec situation instabilité et quantité la pluie que nous prévoit sous majorité département dans pays ou bien sous tout territoire national là secrétariat permanent cap gérer risque avec désastre de concert avec UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti avec DPC direction protection civile mandé avec toute population qui vivent dans zone qui capable gagner éboulement avec glissement de terrain surtout zone nous cité cap gagner en pile la pluie ça priorité vigilant parce que capable gagner zone qui inondé par rapport avec la pluie qui continue tomber jeudi à demain jeudi à vendredi et samedi et éventuellement jusqu'à dimanche pour capitale avec zone qui environne son capitale qui en instabilité et sous image satellite ça nous tanguet en nuage sous département de l'ouest et nuage ça a persisté au cours de journée en soirée au cours de nuit capable provoquer quelques averses isolées même modérées capable venir fort tout sous plusieurs quartiers qui concernent capitale avec zone qui environne lieu nous avons température qui a monté jusqu'à 34 degrés jeudi à puis va la descendre c'est 21 degrés Celsius dans nuit là et pour la mer c'est une mer qui a agité non seulement sous côte nord et côte sud mais par rapport avec la pluie que nous prévoit visibilité a très réduit et si vous avez demandé capitaine d'embarcation précaution avec prudence parce que la mer a visibilité a réduit et la mer a agité sous deux côtes ça même si golfe de la Gonâve a pour la mer qui peut agiter mais faut prendre précaution avec prudence et pour page astronomique aujourd'hui a soleil là a couché à 7h12 et l'a levé demain matin à 6h21. C'est tout ça en dégain pour situation météorologique là merci pour fidélité avec attention n'a croiser demain pour l'autre page météorologique.
C'était toute information qui concernait les conditions de temps pour jeudi. Merci Winner et bon après-midi. L'autre information dans le journal là, la présidence dans tête collée avec le ministère de l'Agriculture et puis le ministre des Affaires sociales célébré fait travail avec l'Agriculture, m'a dit 1er mai dans Rivière-Marion qui trouvait dans la localité Grand Bassin, département Nord-Est, pays. En gérer de l'eau pour augmenter production nationale là, c'est sous thème ça activité yo té déroulé à Nessa. Président République la Jovenel Moïse qui té gen avèl la première dame République la Martine Moïse, premier ministre Jacques-Guy Lafontan ak divers lot personnalité nationale kou internationale té profité lancer officiellement travail construction barrage sous rivière Marion. En suivant reportage ak Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Ak slogan Nord-Est pa dwi denye, coup présidentiel là participé dans fête travail avec agriculture mardi 1er mai dans rivière Marion qui trouvé dans deuxième section Grand Bassin commune Terrie Rouge dans département Nord-Est. Une localité qui fait face à un pile problème d'après autorité locale yo. Pourtant, c'est dans Marion deuxième plus grosse centrale hydroélectrique pays a pral construit. Mon Dieu dit 7 à 7 pour Haïti. Parce que Haïti souffre trop en bas président. Qui a passé, qui a monté, descend tout le temps, qui ne va jamais répéter. C'est courir, passer, pas jamais venir atterrir dans la communauté, nous, la caille, nous. Président, chapeau bas. Président, jeunesse là, vous avez besoin d'université, vous avez besoin d'école professionnelle. Propre jeune qui te paye à l'échili. Faut gagner école professionnelle. Gagner école professionnelle cap bâti tout du nord. Gono gen volonté gagner yon projet en cours pour faire liberté pour l'école professionnelle. Mais gen nécessité pour l'école professionnelle tout dans Wanamen. Si nous gen trois écoles professionnelles, yon Wanamen, yon tout du nord, yon for liberté. Sont pas importants liés pour le département. Président, mon terrier rouge pour les douilles ont besoin d'hôpital. Son nécessité pour moi l'hôpital. Terrier rouge est situé au milieu du département. En gérer de l'eau pour augmenter la production nationale là, c'est sous thème ça, ministère agriculture prend disposition pour bailler fait ça tout en plein l'immérité. C'est occasion pour participants yo réfléchir sur le rôle fondamental agriculture dans le projet de développement pays. Yon défi nouveau ministre agriculture agronome Joubert Engrand dit li pare pour lever. Je t'attendais avec le président avant de prendre tête ministre agriculture, c'était pour nous être clair sur la nécessité pour nous capable réformer, restructurer le ministère agriculture et tout accompagner producteurs dans bio tout appui qui est nécessaire. Donc nous connaissons le travail là pas facile, mais le ministère des finances, le ministère de la planification déjà pour mettre moi accompagner dans ça. Donc on a fait tout ça capable pour nous capable résoudre tout problème qui est dans l'agriculture. Président République la Jovenel Moïse dit il est pas normal pour pays a pas qu'à fournir quantité manger nécessaire pour tout peuple à joindre alors que ressources disponibles. Chef l'État mandé ministère agriculture pour marcher dans la ligne droite avec vision administration. Le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, c'est Walou. C'est Walou. C'est Walou aujourd'hui pour développer l'agriculture pays. C'est Walou. Et prends responsabilité. Chaque la loue sous dos, c'est pour porter. Parce que le pays n'a pas de droit à produire 42% de sale besoin pour le consommer. Gros série de produits de base, du riz. Pois, maïs, poule, zé. Comment vous n'avez pas acheté au Mbap di là dans micro pour m'a dit même j'ai dit m'rete 15 mois pour courant mais ministre moi d'abord m'a dit combien mois n'rete pour bailler pays à manger à 100% parce que faut produire quantité manger le pays a besoin pour le manger. Nous pas capable besoin 600 000 tonnes de riz pour manger et puis n'a produit 120 000 tonnes. Et puis nous avons la vallée de la Tibonite, 50 000 hectares. Pleine Maribao, 12 000. Pleine Tobek, 7 000. Pleine Solon, 1200. Pleine Abraham, 600. Tout a perdu. Et puis nous avons chaque pleine Zayo, il y a bon rendement de tonnes à l'hectare. Et puis nous avons nous c'est à coup nous-mêmes, nous vivons dans la lune. Nous avons qui c'est nous-mêmes qui avons perdu 12 tonnes d'hectares. Nous avons c'est sur la terre. Journée mardi 1er mai, c'est l'occasion pour chef l'État de lancer officiellement
démarrage travail construction barrage sur rivière Marion qui pral alimenter différentes communes dans département Nord-Est là. Entre-temps, construction route terrier rouge Valière déjà avancé. Jean président République là te promet pour faire ça. Merci Sabine ak Jean-Naël. Journée réflexion sous mauvais état environnement, formation pour paysans, distribution plantil, semences, outils agricoles. C'est quelques parmi activités qui réalisées dans NIP dans occasion fête agriculture ak travail là. Agronome Jacques Thomas souhaite paysans yo fait bon usage plantil sa yo. Anne Myriam Loiseau pour plus de détails. Plusieurs activités réalisées dans le département NIP 1er mai 2018 là occasion fête agriculture ak travail. Dans la commune Savoie Fodeneg, ministère agriculture et ressources naturelles branche départementale NIP, pour commémorer date ça, organiser une journée réflexion sur dégradation environnement et passion paysan qui sortit dans diverses sections communales zone ça yo. Depuis 30 avril rivé 1er mai, responsable bureau régional la distribué environ 400 000 pois tant qu'on noix, labapin, café, cerise pour citer ça seulement à plusieurs paysans. Yon l'autre bois nan payan ak petite rivière de Nip sous initiative député deuxième circonscription Miragwana, gen formation qui réalisé dans intérêt paysan yo. C'était occasion tout pour député Sweet Maturin lancer organisation paysan Nip en action Opna, yon coopérative agricole nan commune petite rivière de Nip Kapla pour accompagner paysan yo. Tout de suite après activité ça, gen semences, outils agricoles ak plantules qui distribué à paysan de commune yo. Nan Miragwan gen un atelier de travail qui réalisé sous initiative député première circonscription Miragwan lan. Yon délégation qui gen la dan ingénieur, agronome, technicien dans développement régional ak aménagement territoire, ak représentant diverses couches dans société Miragwan, te brasser l'idée sous comment yon ka mette en valeur l'état Miragwan. Député Yvon Gers qui rete kwè projet sa ap abouti, mande collaboration tout moun pour rive exploiter nan tout niveau patrimoine ça dans intérêt population zone là. Anne Myriam Loiseau métropole Miragwan pour TNH. Plusieurs paysans plantés en pleine Gonaïve manifestaient pacifiquement dans Gonaïve dans occasion fête agriculture et travail là pour dénoncer mauvaises conditions y a évolué. Exalus Mergina pour détail. Plusieurs centaines de paysans planteurs en pleine Gonaïve là manifestaient pacifiquement mardi 1er mai 2018 là dans l'occasion fête agriculture et travail là. Planteurs qui te gagnent en main fait plantes sèches toute qualité organisé marche ça pour dénoncer situation sécheresse à Gringo qui gagnait en pleine. Luc Rosemont, président fédération planteur Irrigan basse pleine Gonaïve là qui était dans tête manifestation ça dénoncé autorité ministère agriculture qui d'après lui pas fait rien pour résoudre problème tête canal route agricole a plus passé 32 pompes sur 41 qui en panne en dedans pleine non. Nous estimons agriculture a détérioré en basse plaine de Gonaïve. Nous sentis nous pas arrêter de bois croisés pour nous mettre à tourner dans l'intérieur pour aller dans foi mais nous dit l'important aujourd'hui pour prendre la rue sous 41 pompes qui n'est pour qu'à fonctionner malement. Protestataire au plus loin mandé président République la Jovenel Moïse fait une visite dans pleine non pour venir voir mauvaise situation paysan planteur yo. Même en place on arrive, n'a pas de présence en place de place de Gonaïve, nous pas besoin d'intermédiaire, c'est le même direct pour d'avenir. Fondi parallèlement avec marche planteur yo, responsable yo dans direction départementale ministère agriculture té organisé yon foire agricole sur place d'Amnan ak yon mes dans cathédrale Gonaïve lan pour té marquer fête agriculture ak travail là. Exalus Mergina Gonaïve, télévision nationale d'Haïti. Député circonscription Bassin Bleu à Denis Saint-Fort distribué semences et outils agricoles par plusieurs centaines de paysans dans la plante première section communale Bassin Bleu à Yamadi 1er mai 2018 là dans occasion fête agriculture et travail là. Marc Edio Sam pour plus de détails. Distribution ça rentré dans cadre volonté député Denis Saint-Fort pour marquer journée célébration 1er mai fête agriculture dans section communale La Plate et puis aider paysans rentrer dans saison plantation qui déjà démarré dans communauté ça. Agriculteurs qui gen gros difficulté pour planter à cause moyen économique yo bénéficier semence ak zouti agricole d'après député Denis Saint-Fort. D'abord moi même sans planter longtemps de mon pas cache ma vie trois ans problème. Ça veut dire là 2000 là. On va chaque pour plan maïs, plan pois et ensuite dans outils agricoles.
nous qui défendre. Il n'y a pas de travail. Mais quand on a un pays, pas si on a un habit. Mais nous faisons des droits nous-mêmes. Par exemple, c'est un ancien ministre, agriculteur, M. Béliard, qui débat un peu dans le reste au tol. On a des bagages sur un gâchis avec une femme. Divers élus locaux qui étaient présents pendant la distribution ça applaudissent l'initiative député Bassem Bliaye qui toujours accompagne la population d'après eux-mêmes, mandé parlementaire pour continuer à aider à résoudre quelques gros problèmes. Section communale ça a fait face à un problème de l'eau potable, route pour ne citer ça seulement. Au moins, puis t'acheter poids ensemble avec moi. Député Denis, toujours penser à la population La Plate, quel qu'il soit agent lié, mais ça le joigne toujours côté pour la population. Nous vraiment contents pour député Denis Sefort qui fait bel geste ça à mon première section. Nous avons demandé député Denis pour le capable aider nous réaliser un pont sous tout ça qui est un danger pour mon Irak. Et côté l'eau vini, dans toile toujours bail en pile difficulté. Et mon même quand tombe pied cassé là dans tout. Nous avons demandé pour le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine, jouer coûte que coûte pour nous capables de gagner une route ça dans la première section La Plate. Nous avons besoin de route pour passer, nous avons besoin de l'eau pour boire. Nous avons souligné qu'il y a plusieurs autres activités qui étaient organisées dans la ville de Port-de-Paix tant qu'au fois agricole, journée créole, notamment dans le lycée Tétune Guilbault dans la ville de Port-de-Paix et l'université Valparaiso, toujours dans l'idée pour célébrer la journée fête à l'agriculture et travail là dans le département de l'Ouest. Port-de-Paix, Marc Eddy Ossam, Antenne Télévision d'État. Merci Marc Eddy Ossam, je ne t'ai pas suivi, c'était différentes activités qui étaient réalisées à Yemadi 1er mai 2018 là, dans l'occasion fête agriculture et travail. L'autre dossier dans le journal là, président République là, Jovenel Moïse, lancé appel tête ensemble, dans mettant tout secteur en dedans pays, yon façon pour permettre tout projet là réalisé pendant mandat là, rive joindre population. Zafè pays patadoué a réglé dans chirépit politique d'après chef l'État, qui t'a parlé dans le cadre de lancement construction barrage rivière Marion dans le département Nord-Est mardi 1er mai 2018 là. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Haïti, c'est pas seulement moun qui noir. Haïti, c'est moun qui rouge, moun qui noir, moun qui riche, moun qui pauvre. Moun qui vit dans la section communale, moun qui vit dans la ville. C'est ça qui est Haïti. Et c'est Haïti ça, depuis campagne électorale, moi, pour arriver jodi. C'est Haïti ça, nous continuer à prêcher. En Haïti, côté tout haïtien, qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on rouge, qu'on noir, qu'on vive la ville ou qu'on vive en dehors, où nous devons mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour les générations qui vont venir. C'est jodi pour nous commencer, nous-mêmes politiciens, commencer à mettre tête nous ensemble pour nous faire confiance blaye entre nous, pour nous retirer méfiance qui est dans notre temps nous. Qui met pays à devant derrière depuis 1806 pour arriver aujourd'hui. Parce que ce n'est pas blanc qui t'a tué de Saline, c'est nous qui t'a tué. Aujourd'hui, il faut nous prendre conscience pour nous connaître. Nous ne pouvons pas continuer à gourmer avec l'autre. Nous ne pouvons pas continuer à batailler dans Hingang. L'homme, un sénateur, un député, un magistrat, un kazek, un azek, un délégué ville. Un président, peuple a voté, c'est pour tout le monde camper derrière elle dans le mandat là pour le réaliser ça, le pour réaliser. Changement, yo visible. Changement, ce n'est pas dans la parole seulement. Changement, c'est pour nous poser une action. Action nous-mêmes, je dis, frères et sœurs qui sont dans l'opposition politique, je dis, faut nous suspendre servir avec vieux slogan. Faut nous suspendre servir avec faiblesse, peuple là. Pour nous mettre tête nous ensemble. Pour que pour nous travailler, pour nous quitter un pays meilleur pour Haïti. Élection pour qu'on commence. Nous pour qu'on joue élection. Bataille électorale là, elle commence trois bonheur. En temps d'élection, c'est 2019, c'est octobre 2019, c'est octobre 2021. Je dis à pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de tranquillité, le besoin de sérénité, le besoin de coude à coude, fraternel. Haïtiens pour vivre ensemble, pour que barrage ça. Jean nous dit, nous voulons quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays comme ça. Je dis à ces premiers qui ont construit là. Voilà, c'était déclaration président public là, Jovenel Moïse, qui continue à prêcher unité, dans le temps, tout secteur en dedans pays.
administration Moïse et gouvernement Lafontaine décrété zéro tolérance dans problème contrebande qu'a fait chaque jour dans zone frontière, ça qui d'après président République la Jovenel Moïse représenté une nan pigomoso dans affaire corruption. Chef l'État annoncé gain pile j'effort qu'a fait pour augmenter présence la police sous frontière qui séparait Haïti à République Dominicaine parmi plusieurs mesures anti-corruption administration l'an apprend pendant dernier jour sa yo. Toujours yon bout dans déclaration président République la Jovenel Moïse dans micro Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Moi connais gen pile problème en pile problème dans frontière. Sénateur Larèche saute parler de affaire de Wanamet. Gen 59 points qui gen problème dans frontière. Et moi même moi dis li c'est pas question de marché binational qui bail problème. Problème contrebande, nous dit, nous te dit l'autre jour, nous pral vini pour nous vini camp en face li. Même j'en la police nationale, nous parlons avec le directeur général là avant hier, qui dit qu'il y a plus de 250 policiers qui sont en formation. Et je remercie publiquement les États-Unis, le Canada qui a supporté nous pour que les policiers nous baillent en formation. En matière de surveillance de zones frontalières, moi t'as aimé quitter pouvoir avec au moins 1000 policiers sous frontière qui surveillent toute ligne frontalière là. Moi t'as aimé quitter pouvoir avec un pile soldats dans la mer qui pourraient courir travail que la police lui-même a fait, qui joue un rôle de proximité. La police c'est lui qui l'a pour tout près peuple là pour jouer rôle lui la mer. Li la pou jwe rôle de défense nationale, la défense territoire. A vle di mwen dil, frontière la qui poreuse jodi, li pa kon fatalité pour nous. C'est pour nous camper, pour nous dire, pour nous gérer frontière la kay nou, parce que nous sommes peuple qui grand monde, nous sommes peuple qui indépendant jodi, nous pa kap camper pour frontière a ban nou défi. Mwen di douane qui sous frontière. Faut qu'on ait aujourd'hui à faire prendre responsabilité. Moi dit le clair, dans niveau administration pas nous, c'est zéro tolérance. Nous pas là pour encourager aucun monde qui comprenne c'est nos affaires contrebande qu'on comprenne nous qu'a fait richesse. L'on entre dans contrebande, c'est empêcher petit on l'autre malheureux à l'école. 33e colloque international responsable impôt pays francophone Credafla. L'ouvri dans zone Montoui lundi 30 avril là. Directeur et responsable impôt qui sorti dans 33 pays membre Credafla a bien pour chita parler et puis réfléchi sur plusieurs thématiques qui gain relation à thème année ça qui c'est consentement à l'impôt et redevabilité. Mirade Morlan qui c'est vice-président Creda fait connait pays d'Haïti a bénéficié en pile des activités ça. Il y a un extrait dans micro Ansi Mars. Sur le plan et fiscal, on a dit, sur le plan international, il y a pour Haïti dans un autre niveau. Ouais, Haïti dans un autre niveau parce que c'est pour la première fois que nous réalisons un colloque de ce calibre, d'accord, en Haïti. Et c'est pour la première fois que nous recevons un colloque tout de administration fiscale et tout pays francophone en Haïti, alors que Haïti c'est membre à part entière du CREDAF. C'est-à-dire retomber à qui ça le prend lié. Surtout pour le thème que nous allons débattre là en atelier, c'est que là nous finissons de débattre thème ça, il y a une restitution qui va le faire. Il y a un document qui va le préparer. Avec document ça qui va le préparer, ça va le permettre nous comprendre mieux. Parce que on connaît que la fiscalité, ce n'est pas un bagage, c'est pas une matière qui est facile. C'est un bagage qui est quand même, il faut nous faire échange d'idées. Il faut nous essayer de garder pour nous sur le plan international comment ça marche. Et que la caille nous-mêmes pour nous capables de vivre, même là que nous gagnons et expertise par nous. Mais si nous gardons pour nous comment ça marche dans tout le monde, et bien la caille par nous-mêmes tout pour nous capables de mettre nous au pas. Pour nous mettre nous up to date, c'est-à-dire où nous connaît aujourd'hui comment le monde a évolué, c'est-à-dire si monde ou même on pas arrêter là car on fait ça fait pas, parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui côté de DGI était longtemps avec côté de aujourd'hui c'est deux bagages différents, parce qu'il fut un temps pour tes jeunes services en DGI c'était casse-tête chinois ou tu vois que pour tes jeunes services c'est service manuel qui était dans DGI. Or qu'on y a nous vois que nous dit d'ici 2020 n'a parlé de DGI 2.0, c'est-à-dire pour nous capables de vivre effectivement
n'a modernisé, n'a fait réforme comparativement à l'autre pays dans la région hein, qui a bail bon service. Et je dis à tout le monde, DGI dans l'OCDE. C'était explication vice-président Credafla Miradin Morlan. Directeur général des GIA Miradin Morlan déclaré deuxième trimestre exercice fiscal 2017-2018 là, c'est une réussite. Directeur Morlan qui était prudent, il pas voulu avancer chiffres, fait connait toute prévision yo en dans budget a respecté. Il extrait toujours dans micro Ansi Mars. Ou cette correspondance à ça nous prévoit et même dépasser dans la mesure où hein, c'est pas ça la banque centrale. On parle avec moi, on parle à la banque centrale. On parle avec moi, on parle avec moi. Pas parler de la question de la banque centrale. Et c'est moi qui banque centrale, c'est moi qui dis banque centrale, ça me la caille pour lui. Et ça me la caille pour moi. Il va pas répondre non, non, il va pas répondre pour moi non plus tout. Et m'a dit que c'est pour question des résultats, mis à part de ça que nouvelles mesures que le ministère des Finances prend pour nous mettre en application depuis le 1er mars, qui est en application et malheureusement, et que et ça que les prévisions initialement, moi tellement confortable à donner et même dépassé pour le premier semestre de l'exercice fiscal. L'autre nouvelle, directrice générale Institut National Formation Professionnelle INFP, Maggie Diorcé, l'ouvrit un bureau UNESCO UNEVOC en Haïti lundi 30 avril 2018 là. D'après directrice générale INFPA, il a envisagé, développé et puis mettait sous pied nouveau et stratégie pour moderniser secteur formation professionnelle là à partir collaboration yo avec l'autre pays qui membre institution ça. John Herbie Casseus dans un reportage. À travers bureau ça, Haïti vient 161e pays dans le monde là qui vient membre réseau UNEVOC. UNEVOC, c'est une branche dans l'Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui est là pour porter support par institutions qui travaillent dans le domaine enseignement, formation technique et professionnelle. D'après la directrice générale Institut National et Formation Professionnelle, là, Maggie Diouse, bureau ça va permettre de partager expérience avec responsables différents l'école et centres professionnels pays qui membre bureau. Li basé dans le cadre objectif du développement, yo, mais li prend lui-même, si nous avons gagné tout objectif de développement qui gagne, lui-même li prend trois la donne. Côté que li basé premièrement, li dit la focus sur l'équité de genre. Un deuxième aspect, c'est l'aspect des technologies vertes. Et un troisième aspect, c'est l'aspect de l'employabilité et l'entrepreneuriat. Li nous a dit que l'UNEVOC, li a pas accompagné institution formation professionnelle yo, li pa pral pran place yo parce que c'est pas lui même qui a fait formation mais li pral pran formation en aval côté que l'a appuyé question d'employabilité, l'a appuyé question de genre, équité de genre, l'a appuyé question de énergie verte parce que l'école yo, centre professionnel yo même, yo pas vraiment puisque ce sont des niveaux nous t'a dit qui transversaux qui passé à l'intérieur de toute action qu'a mené yo, donc une évoque clan, li choisit trois axes et c'est sous axe ça yo que li pral accompagné par une sorte d'étude de veille. Représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis fait connait intégration Haïti dans UNESCO UNEVOC a bien occasion pour l'état haïtien faire étranger yo changer mauvais conception. Yo kon gen parfois sous formation k'ap bay en Haïti que ce centre est aussi dépositaire et promoteur des normes et standards internationaux en matière de formation professionnelle. Ce centre est aussi un mal nécessaire parce que c'est ça qui va permettre à l'INFP de rentrer dans le réseau des partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Quand vous n'avez pas beaucoup de ressources, quand vous n'avez pas assez d'expérience, quand il y a chaque jour de nouvelles technologies qui sont prises en compte, qui doivent être utilisées pour la formation technique et professionnelle et qu'elles ne sont pas connues ou mal utilisées, c'est le réseau de partenaires qui peut nous aider à accélérer ce processus. Selon directrice générale Institut National Formation Professionnelle là, Maggie Diouse, bureau ça vient faire UNESCO, UNEVOC gagne 147 bureaux dans le monde là. Li promet continuer travail pour enrichir et renforcer qualité enseignement professionnel en Haïti. Merci Herbie ak Wilbridge. Ministère de Santé publique et Secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, clôturé lundi 30 avril 2018 là, première phase campagne sensibilisation autisme là. Dans cette cérémonie, coordonnateur unité santé mentale MSPPA René Domersan
Fait qu'on est autisme manifesté dans diverses façons, tant que problème langage, comportement étrange, problème adaptation mais à qui ont attention et spécial et bonjour encadrement pour monde qui fait autisme qui a gagné une vie normale. En suivant bout dans déclaration dans micro Herbie. Autisme sont conditions que au jeune caillou monde que ont commencé à détecter les petits monde petit entre 1 et 3 ans généralement mais qui allait jusqu'à l'âge de 5 ans dans l'époque côté que gon série de développement la kay ti moun nan que ta espéré depuis que avoué que pa joine côté problème de langage pour côté pour ti moun nan ta gagne pour socialiser depuis là ça ou elle gagne des comportements qui ont ti jan bizarre c'est le ça que capable en fonction d'une série de tests qui a déterminé effectivement est-ce que il y a un problème d'adaptation sociale qui capable affecter langage li moyen pour le pour contacter moun communiquer avec moun dans société. Mais c'est un problème que si yo gantan détecté le bonheur et si yo ba moun nan encadrement approprié que l'a surmonter et étape ça yo et puis l'a capable rentrer dans cadre apprentissage normal et puis capable apprendre métier, faire profession, vivre, socialiser normalement comme groupe de monde. Toujours dans le cadre de la cérémonie Cloti, première phase campagne sensibilisation sur autisme, secrétaire d'État pour l'intégration de handicapé, Gérald Oyol Junior fait connaître les gens qui atteignent l'autisme méritent bon encadrement médical et psychologique dans l'idée pour permettre d'intégrer dans la société, même gens à tout l'autre monde. Suivons bout dans l'explication. Nous connaissons que l'autisme est un phénomène mondial qui affecte en pile monde et au niveau national et en pile monde tout qui a vive avec autisme et qui besoin un encadrement sous différents plans que ce soit encadrement médical, social et encadrement dans le domaine de l'éducation tout mais qui souvent est par manque de compréhension en société hein, et par manque d'information pas joint encadrement ça pour permettre d'évoluer comme ça doit en tant que citoyen à part entière. Donc c'est dans l'optique ça que les différents partenaires ont décidé de lancer la campagne ça, c'est pour permettre que la société prend conscience et puis petit à petit les services disponibles viennent plus renforcer pour permettre que les gens qui vivent avec autisme vivent dans la dignité même gens avec tout citoyen. Zanmi téléspectateurs, c'est sur information ça on a observé en pause dans journal là. Nous invitons à rester branchés, n'a tourner dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump qualifié de chasse aux sorcières, publication question procurée et spécial américain Robert Mueller souhaitait poser dans cadre enquête présumée sous ingérence russe là pendant campagne électorale l'IA. Pour qui est spécial là, bon côté pal fait avocat président Trump yo connaît m'a dit 1er mai, li commandé pour Donald Trump comparaître devant la justice s'il refusait parler dans cadre enquête sous ingérence russe là. N'invite au suivre un reportage. Enquête officielle sous présumé ingérence russe pendant campagne électorale là pas suspendre créer tension dans pays États-Unis. Lundi 30 avril 2018 la New York Times publié question procureur et spécial américain Robert Mueller souhaitait poser président Trump dans quatre dossiers ça. Question qui transmet by Maison Blanche semblait indiquer enquêteur intéressé à qui un potentiel entrave avec la justice bon côté président américain. Sous Twitter Donald Trump critiquait publication question yo côté le palais de yon chasse aux sorciers. Dossier présumé ingérence russe dans campagne électorale là fait débat depuis élection Donald Trump. Washington Post révélé mardi 1er mai procureur Mueller a menacé Donald Trump pour le faire comparaître devant un grand jury si toutefois il a refusé répondre question enquêteur fédéral yo. Dans le dossier sport, football, éliminatoire, Coupe du monde féminin, sorti 9 pour arriver 13 mai 2018 qu'a venu là. Haïti a pris ses voix dans le stade Sylvio Kator, premier tour éliminatoire compétition ça. Et puis à l'étranger, Ligue des Champions, Real Madrid qualifié pour finale pour troisième fois, une après l'autre. L'abtan vainqueur, l'autre demi-finale là, qu'a joué jeudi à dans le stade Olympico AS Rome, Liverpool. Nous invitons à suivre. Sorti 9 pour arriver 13 mai qu'a venu là.
Sélection nationale féminine senior là pour recevoir groupe B, première phase éliminatoire Coupe du monde France 2018 là dans stade Silvio Cator. Sélection nationale là qui gagne environ deux l'année depuis le pas participer dans un tournoi international, trouvé dans groupe B avec Martinique, Jamaïque, Guadeloupe et Turks and Caicos. 23 sélections reparties en 5 groupes pour participer dans la compétition si là en 2 groupes de 2 et 3 groupes de 5. N'a pas signalé deux premiers dans groupe A, B, C, O a qualifié pour deuxième tour compétition. Alors que premier dans groupe D, E a qualifié pour constituer 8 équipes qui pourraient jouer deuxième phase éliminatoire Coupe du monde France 2018 là. Président République là, Jovenel Moïse décrété zéro tolérance contre contrebande dans pays A et puis lancé un appel tête ensemble dans mitan tout petit pays A. Chef d'État fait déclaration sa yo dans occasion célébration fête agriculture et travail matin 1er mai. Ministère Santé publique et population en tête collée avec secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés clôturé lundi 30 avril 2018 la première phase campagne sensibilisation sur autisme. Et puis à l'étranger dans pays États-Unis procureur spécial qui a mené enquête sur influence pays ici dans dernière élection américaine voyons liste question par président américain Donald Trump. Procureur a cherché tout si Donald Trump a fait entrave avec la justice dans cadre enquête ça. Dans page sport éliminatoire Coupe du monde féminin, sorti 9 pour arriver 13 mai 2018 qu'a venu là, Haïti a recevoir dans stade Silvio Cator, premier tour éliminatoire compétition ça. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.